Bienvenue à tous à cette conférence de notre axe rythmologie de la Maison des sciences de l'homme Alpes. Nous recevons aujourd'hui Fabienne Paulin. Fabienne Paulin va nous parler d'évolution. L'évolution est un fondement actuel de la compréhension des systèmes du vivant, mais c'est aussi devenu un fondement dans la philosophie actuelle. Puisque l'ontologie humaine, la compréhension profonde que nous avons aujourd'hui de l'homme et l'ensemble de la philosophie occidentale s'est désormais ralliée à une histoire, ou plutôt une préhistoire humaine, qui dépasse largement l'humanité. Cette théorie de l'évolution, c'est une théorie qui se base avec non seulement des sciences comme on les associe généralement, on y associe généralement la biologie, qui est une science des règles, une science des hypothèses et des expériences, mais c'est aussi une science des cas, c'est une science historique. Et en ceci, Fabienne rapproche, je pense, parfois des grands clivages qu'il y a entre les disciplines et qui ont nous ont valu certains débats ici même entre des sciences que l'on appelle plus ou moins humaines et des sciences que l'on appelle plus ou moins dures. Et cette histoire, notre préhistoire, c'est celle de rythme, c'est celle de rythme d'événements dans un temps qui a un ordre de grandeur qui dépasse largement l'individu. C'est le temps générationnel et j'espère que Fabienne saura. Je suis sûr que Fabienne saura faire comprendre à chacun comment ce temps générationnel marque notre histoire, notre préhistoire, et comment il nous transcende, si je peux utiliser un gros mot, pour les philosophes. Fabienne est agrégée en sciences de la vie et de la terre. Elle est docteure en sciences de l'éducation. Elle côtoie différentes disciplines au sein de son laboratoire S2HEP, sciences, société, historicité, éducation et pratique à Lyon 1. Et à ce titre, elle enseigne aussi à l'INSPE de Lyon. Donc, elle prépare les gens qui prépareront la pensée de nos enfants, de nos petits-enfants. Et à ce titre, elle enseigne ce que les beaucoup craignent, elle enseigne l'incertitude et elle enseigne aussi l'importance du récit dans le discours qui pourtant reste scientifique. Alors Fabienne, merci d'avoir accepté de nous faire part de ces réflexions et d'avoir bien voulu les inscrire dans le cadre plus général des rythmes, non seulement des rythmes métronomiques, mais des rythmes comme manière de fluer de l'histoire, manière de fluer des gènes dans les espèces. Je te D'accord. laisse la parole. Eh bien, merci. Merci Christian pour cette invitation, hein, à ce séminaire qui m'a paru très intrigant, hein, au départ et très, très intéressant et qui m'a permis de réfléchir sur un thème qui m'intéresse par mes activités de recherche, mais d'y réfléchir différemment, de s'ouvrir encore plus à d'autres champs scientifiques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, bah, bienvenue, hein, bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence, discussion, conversation, j'espère. Et bah, je vais, Christian l'a très bien fait, mais je vais quand même rappeler. Alors, attendez, pour que je puisse avancer. Voilà. Bah, d'où je vous parle, hein, effectivement. Donc, je suis ce qu'on appelle PRAG, INSPE de Lyon, c'est-à-dire professeur agrégé détaché dans le supérieur. Et je forme effectivement les futurs enseignants de SVT, sciences de la vie et de la terre. Et je forme aussi les futurs professeurs des écoles en sciences, ce qui est une tâche tout à fait intéressante et pertinente. Je suis donc chercheuse associée au S2HEP, qui est mon laboratoire, enfin le laboratoire dans lequel j'ai passé ma thèse, j'ai travaillé ma thèse, et mes thèmes d'études, bon, Christian les a rappelés.
Et je suis donc aussi inscrite dans un courant de la didactique qui lie très fortement la didactique et l'épistémologie. C'est-à-dire qu'on est très attaché à que dans l'enseignement, la didactique seule ne fait pas tout. Il faut bien sûr, pour penser la didactique, penser la nature des objets de savoir et la nature des problèmes qu'on pose. Et c'est là qu'on va retrouver la dichotomie, mais voilà, qui est plutôt une complémentarité entre des sciences historiques et puis des sciences des mécanismes qu'on appellera des sciences fonctionnalistes. Alors, pour parler du rythme de l'évolution ou des flux de l'évolution ou encore l'allure de l'évolution, hein, il y a beaucoup de termes possibles, on va borner dans le temps pour commencer cette question des rythmes parce qu'on va l'aborder dans un aspect théorique, c'est-à-dire comment ces rythmes ont été pensés dans la théorie, dans un premier temps, une première partie. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer par des expériences de pensée, hein, parce que là, il n'y a pas de expérience sur la paillasse possible, des expériences de pensée, d'essayer d'imaginer ce grand flux du vivant, voilà, et de voir comment les deux se répondent. Donc, effectivement, dès le début de la biologie, hein, ça c'est Jean Gaillon, qui est une référence importante dans mes travaux, qui avait noté que dès le début de la biologie, déjà, il y avait ces deux objectifs de connaissance. Et d'ailleurs, le terme biologie apparaît en 1802, la même année, avec deux savants qui ne se connaissent pas, Lamarck d'un côté et Treviranus de l'autre. Et pour aller vite, on va dire que donc Lamarck, lui, va s'intéresser, va dire que la biologie, c'est la science qui va permettre de comprendre le développement du vivant, hein, le déploiement du vivant, sa capacité à créer des organes spéciaux, donc une vision historique du vivant. Alors que Treviranus, lui, va être plutôt sur la recherche des lois et des causes, et donc sera plutôt du côté des sciences qu'on appellera nous fonctionnalistes. Donc c'est très intéressant de se dire que dès le début de la biologie, finalement, et ça c'est Jean Gaillon qui le dit, hein, il y avait déjà les deux objectifs qui se tenaient ensemble, alors par deux savants différents, mais qui a gardé finalement toute son actualité, même si dans l'enseignement, il y a une des sciences qui est largement favorisée aux dépens de l'autre. Et vous voyez bien que, évidemment, hein, c'est les sciences expérimentales, puisque les sciences fonctionnalistes vont être appelées, enfin, dans un sens restreint, hein, bien sûr, sciences expérimentales. Et c'est celle-là qu'on a dans les classes. Tout ce qui concerne les sciences historiques, les sujets historiques, les problèmes historiques sont moins travaillés. Donc cette conférence, elle est partie aussi d'une réflexion sur ça, sur des résultats de ma recherche, de regarder les impensés dans l'enseignement de l'évolution. Et parmi ces impensés, il y a la temporalité. Il n'y a pas que ça, mais il y a la temporalité et notamment ce temps générationnel qui est absolument indispensable pour comprendre la théorie de l'évolution et qui est passé sous silence, qui n'est pas mobilisé. Tout ça au profit d'un enseignement très expérimental, hein, avec un découpage de l'enseignement avec des TP le plus possible, et puis quelques cours le moins possible, en quelque sorte, et qui ne permettent pas finalement de travailler sereinement, on va dire, des problèmes historiques. Alors, à la décharge de l'institution, quand on commence à rentrer dans le rythme de l'évolution, la temporalité de l'évolution, c'est complexe. Et c'est complexe à transposer dans des programmes. J'en suis tout à fait consciente. Alors, pour peut-être voilà, synthétiser le propos sur ces deux types de sciences, c'est Jean Gaillon qui le dit, hein, les sciences fonctionnalistes disent ce qui est toujours et partout. C'est ce qui va donner lieu à des lois qu'on va pouvoir généraliser, appliquer en toutes circonstances. Tandis que les sciences historiques, eh bien, elles disent ce qui n'a été qu'une seule fois. Elles sont sur des objets uniques. Et c'est vraiment c'est leur grand intérêt, leur grande difficulté, hein, bien entendu. Et je dirais même que
C'est me semble plus compliqué de traiter des problèmes historiques sur des événements uniques que de traiter des problèmes fonctionnalistes. Après, c'est peut-être à discuter. Voilà, donc les sciences de l'évolution, mais la biologie aussi et la géologie aussi, hein, ces sciences de la nature sont de toute façon en tension, hein, en tension entre ces deux pôles. Alors, il n'y a pas de problème pur, hein, il n'y a pas de problème strictement fonctionnaliste ou strictement historique. On travaille toujours quelque chose des deux, mais quand même avec une prégnance des questions fonctionnalistes qui sont sans doute, dans la salle de classe notamment, plus facile à traiter. Alors, bon, ce n'est pas pour vous faire peur, hein, c'est juste pour vous montrer que ces sciences ont des caractéristiques qu'on a développées et qu'on a catégorisées. Avec, bon, voilà, qu'est-ce qui fait la différence finalement entre ces deux sciences? Et ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui est en rouge dans le tableau, c'est l'aspect atemporel des objets fonctionnalistes, puisque les sciences fonctionnalistes étudient les mécanismes, donc des mécanismes permanents, ubiquistes. Par exemple, la sélection naturelle. On peut faire des expériences de sélection naturelle, je vous en montrerai tout à l'heure. On peut les répéter, hein, la reproductibilité, il y a aucun problème avec ça. Et on peut isoler ces événements en laboratoire. Et donc, ils ne sont pas situés historiquement, n'ont pas besoin de l'être quand on les étudie dans ce cadre-là. Tandis qu'effectivement, les objets des sciences historiques sont des objets uniques et qui n'ont existé qu'une seule fois. Et en plus, qui sont contingents. C'était dans le sens, contingents dans le sens qu'ils auraient pu ne pas advenir. Voilà. Il y a un champ des possibles et tous les possibles ne se réalisent pas. Donc, en bas, peut-être aussi pour clarifier, hein, des exemples d'objets d'études dans chacune de ces sciences. Donc, les processus à l'œuvre dans l'évolution sont de plus en plus connus, hein, depuis pas si longtemps que ça, mais quand même, ils sont connus. La sélection naturelle, la dérive génétique, les mutations, hein, dont on va beaucoup parler. Et puis de l'autre côté, eh bien, quand on essaye par exemple de faire de la phylogénie, et ça c'est pas forcément évident comme ça, hein, la parenté entre les êtres vivants, ben, on fait de la reconstitution. Alors avec des méthodes qui peuvent sembler très expérimentales, mais finalement le résultat c'est quand même une reconstitution. Les crises biologiques, si on parle de la crise Crétacé-Tertiaire, eh bien c'est un événement unique, hein, qu'il faut être capable de comprendre. Le problème majeur de la biologie aujourd'hui, sans doute, c'est l'origine de la vie, hein, puisque ça aussi, ça a été un événement unique et très, très, très lointain. Juste par rapport à l'enseignement, on avait fait un travail, on avait essayé de répertorier dans les programmes et dans les manuels scolaires aussi, quand est-ce qu'on faisait référence à l'une ou à l'autre, enfin, à l'un ou à l'autre de ces pôles, pôle historique, pôle fonctionnaliste, de façon assez explicite. Et on s'aperçoit bien qu'il y a une forte différence, hein. Le pôle fonctionnaliste est beaucoup plus explicité sur les objectifs d'apprentissage. On veut que les élèves comprennent ce que sont plutôt les sciences fonctionnalistes, même si on ne les appelle pas comme ça, on va les appeler les sciences expérimentales, en oubliant au passage l'historicité du vivant, hein, tout simplement. Elle est peu travaillée. On verra peut-être, enfin, on pourra discuter des conséquences qui sont bien au-delà de simplement connaître ces pôles historiques. Alors, pour cet exposé, peut-être un rappel pour ceux qui auraient oublié leur leçon de choses depuis le temps, un rappel sur ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie d'évolution. Alors, c'est une définition actualisée. Il faut savoir que c'est une théorie, comme toute théorie qui est en travaux, bien sûr, hein, qui est solide, mais qui est toujours en réflexion et en développement. Et que c'est Anouk Barberousse, qui est, elle, une épistémologue de la physique, voilà, qui s'est intéressée à l'évolution. Et peut-être qu'en tant que physicienne, elle a une capacité à formaliser les choses, peut-être, de façon plus claire que d'autres, avec peut-être un regard extérieur aussi qui permet de globaliser et d'avoir un peu de recul. Et c'est très important puisque dans cette façon de présenter la théorie de l'évolution, elle donne bien les conditions de possibilité de l'évolution, c'est-à-dire que intrinsèquement, les êtres vivants
ont cette capacité, cette propriété de se reproduire et de transmettre à leurs descendants des informations héréditaires, génétiques, avec des erreurs. Voilà. Ça, c'est tout vivant, même c'est pas simplement un individu, mais toute cellule, quand elle se divise, transmet un génome avec quelques erreurs. Ça ne se produit pas que deux cellules soient exactement identiques. C'est bien le problème de nos disciplines, hein, c'est-à-dire que nos objets d'étude ne sont jamais les mêmes. À un instant T, hein, entre deux cellules, c'est toujours différent. Mais même pour une même cellule, si on apprend un instant T, un instant T1, un instant T2, du fait qu'elle aura aussi renouvelé son génome, réparé son génome, parce que notre génome s'abîme et nous le réparons, et il y aura aussi des modifications. Donc ça, c'est vraiment la base du fonctionnement du vivant, et là, on est au niveau des cellules. Ensuite, eh bien, ces cellules ou ces organismes, hein, sont dans un espace et dans un temps contraint, puisque tout vivant finit par mourir. Et là, en contact avec l'environnement, eh bien, il y aura des processus de tri. Alors, aujourd'hui, on met vraiment à égalité, hein, le tri aléatoire et le tri sélectif. La différence de la théorie aujourd'hui de l'évolution, c'est qu'on prend beaucoup plus en compte le facteur aléatoire qu'on ne le faisait par exemple dans la théorie synthétique de l'évolution des années 50. Et ça, c'est important. Et puis surtout, elle insiste bien que ces transformations des organismes vont se faire par les générations, puisque c'est au passage des générations qu'il y a à la fois cette transmission, mais avec des modifications. C'est la formule de Darwin qui reste. Pour le coup, alors, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été retravaillées, bien sûr, dans le darwinisme initial, mais ça reste et ça ne bouge pas, c'est-à-dire la descendance avec modification. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et cette définition, je trouve, elle fait bien la synthèse de tout ça. Alors, pour qu'il y ait évolution, ben, pour qu'il y ait effectivement qu'on puisse penser une allure, un rythme de l'évolution, il faut bien sûr que le cadre de pensée des savants soit celui de l'évolution, mais ça veut dire aussi qu'il faut que le cadre de pensée soit celui où il y a un vivant, où il y a une catégorie qu'on appelle vivant. Et ça, c'est pas si lointain que ça. En fait, c'est Michel Foucault qui le dit et qui le dit bien, hein. Si la biologie était inconnue avant fin du 18e, oui, c'est ça, fin du 18e, c'est tout simplement parce que la vie, alors il le dit de façon provocante, mais la vie elle-même n'existait pas. Ce qui veut dire, c'est que la catégorisation du vivant n'était pas complètement aboutie. On pensait des catégories comme les végétaux, les animaux, les minéraux, etc., mais avec une espèce d'égalité entre ces catégories. Végétaux, animaux n'étaient pas regroupés ensemble. Et c'est vraiment. Alors, Linné avait commencé un petit peu, parce que Linné, qui a fait toutes les classifications fixistes, bon, séparait tout ça, mais à la fin, il avait regroupé les végétaux et les animaux, et il avait un peu mis de côté les minéraux. Donc, il y avait un petit quelque chose qui commençait, mais il a fallu quand même attendre ce temps-là pour que on puisse penser le vivant. Et à partir du moment où on a pu penser le vivant, on a pu penser sa transformation. Et c'est Canguilhem qui insiste bien, qui dit que c'est vrai que cette apparition du mot biologie marque, c'est pas simplement un mot qui apparaît, c'est une catégorie et c'est le besoin d'autonomisation de l'étude de cette catégorie et de ce qui rend spécifique le vivant par rapport aux autres objets naturels. Voilà. Donc, voilà, début du 19e, on a le vivant et on commence à penser sa transformation, même si avant Darwin, on a quelques qu'on appelle transformistes, notamment Buffon. Hein, il y avait déjà cette idée de transformation, alors plus ou moins originale, plus ou moins incongrue. Mais on voit par exemple que pour Buffon, hein, il y a des tous les organismes varient par des différences graduées. Donc l'idée de la variation fait son chemin. Bien sûr, Lamarck, alors lui, c'est la variation des circonstances, hein, de l'environnement, bon, plus d'autres choses. Il nous propose le premier schéma de transformation, hein, avec des étapes entre les espèces,
Alors, ce schéma est atemporel, hein, bien sûr, mais il est quand même la pensée d'une transformation des espèces en d'autres espèces. Ce qui est très discuté à l'époque, puisque, bien sûr, se mettre dans le cadre de pensée, c'est le fixisme qui a été défendu par Georges Cuvier pendant longtemps, fixiste et catastrophiste. Parce que malgré tout, même si on est fixiste et si on est Georges Cuvier, c'est-à-dire un anatomiste très très expert et très très rigoureux, on ne peut pas faire semblant que effectivement tout est fixe. Donc pour Cuvier, la nature n'est pas immuable, mais il trouve sa réponse, hein, à son problème par les catastrophes. Donc il y a des catastrophes. Donc les espèces, elles, sont fixes, mais ça n'empêche pas qu'il leur arrive des catastrophes. Et donc d'autres espèces vont être produites à ce moment-là, qui elles aussi vont rencontrer des catastrophes. Et donc, son système théorique tient de cette façon-là. Alors, on va faire cette fois, on va aller un petit peu plus vite, hein, sur celui qui va changer le regard. En fait, souvent on donne à Darwin on pense sélection naturelle. Voilà, la théorisation de la sélection naturelle, effectivement, hein, c'est ce qu'il a fait. Mais pourquoi il a eu besoin de la sélection naturelle? Eh bien, pour expliquer justement ces variations. Parce que avant Darwin, même Lamarck, Buffon et Cuvier sont essentialistes. Hein. C'est-à-dire que les espèces sont des types. Voilà. C'est l'espèce typologique. Et donc avec un archétype d'organismes, d'individus. Et il y a des variations, parce que voilà, si on est un peu honnête, hein, même si on pense typologie, on voit bien que dans une espèce, il y a des variations. Donc, ils ne se ressemblent pas tous exactement. Mais bon, la variation est le problème. C'est-à-dire, il faut expliquer pourquoi ça change alors que ça ne devrait pas changer, puisqu'on est dans quelque chose de fixiste. Et Darwin, lui, donc, notamment du fait de son voyage sur le Beagle, et puis c'était un observateur, c'était un naturaliste, Darwin. Il est allé voir, et il a eu le temps de le faire, de le regarder. Il a été beaucoup chez les éleveurs, il a regardé comment les élevages évoluaient, justement, comment l'éleveur faisait pour faire que ses troupeaux aient des caractères intéressants. Et donc, lui, ce qu'il voit, ce qui le frappe, c'est l'infini des variations, en fait. Il en voit partout, partout, partout. Il y a toujours des variations partout. Et lui, il retourne la question, il se dit pas pourquoi il y a des variations alors que ça ne devrait pas changer. Il dit, mais finalement, pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi il y a quand même des espèces? Voilà. Et donc, pour expliquer pourquoi il y a des espèces dans ce grand bazar des variations, eh bien, il va dire, ah, c'est la sélection naturelle. Et d'ailleurs, le titre de la première édition, c'est de l'origine des espèces. Alors, ce n'est pas l'origine initiale, hein, on se trompe un peu parfois là-dessus, c'est l'origine des espèces maintenant, au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races dans la lutte pour la vie. C'est-à-dire que la sélection naturelle, elle vient pour contraindre le flux par l'élimination de ceux qui ne seront pas adaptés à l'environnement. Donc voilà, et ça c'est un concept relativement compliqué et qui est mal compris très souvent, notamment par les élèves. Puisqu'on fait de la sélection naturelle un mécanisme, et la question se pose, est-ce un mécanisme? Parce qu'il n'y a pas de mécanique spécifique de la sélection naturelle. C'est plutôt un concept récapitulateur, comme disait Catherine Malabou. Ça qui a été intéressant. Voilà. Donc les deux piliers de la théorie, quand même, de Darwin sont restés. Mais par ailleurs, donc Darwin voit ça, c'est vraiment un changement conceptuel très important, la place de la variation. Et donc il va s'intéresser bien sûr à ces variations. Mais en même temps, Darwin, il est bien de son époque, c'est un scientifique. Et il veut être dans les canons de la science qui est en train de se construire à l'époque. Et les canons de la science, c'est Newton, c'est Herschel, c'est Whewell, et c'est la science, on va dire, expérimentale qui conduit à des lois. Et Darwin avait vraiment l'objectif de trouver une loi de la transformation du vivant, enfin, des lois éventuellement. Et pour ça, il fallait qu'il trouve des régularités, parce qu'on va trouver des régularités pour en faire des lois.
Donc, sa vision de ces variations, très vite, va devenir une vision continuiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de variations tout le temps, mais elles arrivent de façon graduelle. Alors, c'est lent, quand il dit la modification est lente, c'est lent à l'échelle des organismes. Hein. Bon, pour lui, évidemment, il pouvait pas. Alors, on rappelle aussi que Darwin ne connaît rien aux cellules, ne connaît rien aux gènes. On ne connaît pas encore à l'époque le processus de la reproduction, on ne connaît pas le processus de l'hérédité. Donc il en parle, hein. Il y a reproduction, il voit bien qu'il y a hérédité, mais il est incapable d'en expliquer les fondements biologiques. À l'époque, on est tout juste à la théorie cellulaire qui commence à émerger. Donc il théorise hein, beaucoup Darwin. Hein. Darwin n'a jamais fait aucune expérience de sa vie, il a fait des observations. Et il a réfléchi avec des allers-retours, avec ses observations. Et donc, il propose une évolution lente et graduelle. On appelle ça donc le gradualisme. Et dans le débat des évolutionnistes, on parle de continuisme. Voilà. Et pour lui, évidemment, la sélection naturelle, c'est le mécanisme principal, bien que, il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de hasard dans l'évolution. Et c'est aussi le premier à penser que ce n'est pas orienté. Il le dit très tôt, hein, cette variation n'est pas orientée. C'est l'environnement qui va contraindre ou pas. Cette nouvelle variation qui émerge. Et il y a effectivement du hasard, mais quand même, la sélection naturelle reste prédominante. Il en fait vraiment quelque chose d'important. Alors, il n'a jamais fait d'expérience et il a fait un schéma. Un schéma, celui-là qui est très connu, qui donne bien, en fait, si on le regarde hein, rapidement, c'est un schéma théorique. C'est un modèle. C'est un modèle de son évolution des espèces. Et on voit bien qu'il ne dit rien non plus sur l'origine commune, hein, parce qu'il le dit clairement quand il n'a pas d'éléments. Il n'a pas d'éléments pour le dire, donc il n'y va pas. Il ne projette pas sur l'origine commune. Donc là, c'est un segment de ce flux évolutif. Et on voit avec des lignes à intervalles réguliers et puis beaucoup d'extinctions. On oublie souvent de penser que en fait l'évolution c'est beaucoup d'extinctions, c'est plus souvent des extinctions que des nouveautés. Donc s'il n'y a pas d'extinction, on aurait tout un ensemble continu, et en fait on a du discontinu parce qu'il y a des pertes, il y a des bifurcations et des choses qui s'arrêtent. Alors ah mince, je suis remontée je crois, voilà. Et donc ça, ce gradualisme, eh bien, il va être repris par la théorie synthétique de l'évolution. Donc là, on fait un saut dans le temps. On est presque 100 ans plus tard, un petit peu moins. Et la théorie synthétique, parce que en fait, il faut savoir qu'à la fin du 19e, le darwinisme, il est tombé un peu dans l'oubli, justement parce qu'il n'y avait pas d'explication biologique qui était donnée par le darwinisme. Et c'est bien sûr à partir de Mendel, Morgan, début du 20e, la théorie chromosomique, on comprend la reproduction, les mutations. Et donc là, on a, ça y est, la théorie synthétique, elle fait la synthèse entre un darwinisme théorique sans fondement biologique, on lui apporte les fondements biologiques. Et on garde cette allure que Darwin a donnée à l'évolution, ce continuisme, ce gradualisme, avec des espèces qui se transforment les unes en les autres. Et même sur la façon de les représenter schématiquement, on le voit bien, hein, c'est des lignes droites, quoi. C'est des lignes droites. Alors, toujours pareil, ça déborde, hein, ça déborde un petit peu, mais voilà, le moins possible. Et ça, on est en. Donc, ça, c'est 1867, mais on va retrouver. Alors, ça a été un exemple dans l'éducation, enfin dans l'enseignement, a repris et re-repris l'évolution des équidés, l'évolution des chevaux. Et là, c'est un extrait d'un manuel de 1968, où on voit effectivement, on apprenait donc la lignée des équidés était vraiment l'exemple type d'un gradualisme avec chaque caractère qui évoluait dans le bon sens. Il y avait quand même quelques côtés finalistes dans tout ça.
On parlait d'orthogénèse, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, avec des augmentations progressives de la taille, de l'importance du cerveau. Et toujours avec l'idée aussi, enfin, ça donnait l'idée d'une progression vers un but. Ça, c'est un peu plus embêtant, et qui était dite orthogénique. Mais donc, 1968. Alors, dans le livre, quand même, il y a une petite nuance qui est tout en bas, hein. En fait, l'orthogénèse semble bien être que la traduction dans l'organisation des formes successives d'une lignée de l'interaction entre des possibilités et des facteurs de l'environnement. Donc, on se rend compte que cette façon de voir l'évolution est un petit peu caricaturale. Et n'a plus trop lieu d'être. Et bon, aujourd'hui, on ne présenterait plus du tout les choses de cette façon-là. Ça donne notamment l'idée que le dernier représentant de la lignée est une sorte de perfection. Donc, il y a l'idée d'un progrès vers une perfection. Et ça, c'est quand même c'est quelque chose qui n'a plus cours aujourd'hui. Alors, là, donc, on était dans la théorie synthétique. Et à partir des années 50 jusque dans les années 70, il y a eu beaucoup de travaux sur les mécanismes, hein, de l'évolution. Et il y a eu notamment aussi la théorie neutraliste de Kimura qui a eu un impact très puissant, hein, puisque lui, il a mis en évidence que beaucoup de ces mutations qui se produisent spontanément, ces variations sont le résultat de mutations, sont neutres. Sont neutres. Ce qui n'était pas pensé clairement avant, c'est-à-dire que comme si avant chaque mutation avait une conséquence quelque part. Là, non, c'est des mutations qui sont neutres pour la plupart d'entre elles. Donc ça a été quand même un changement de regard. C'est là que la dérive génétique a commencé à regagner un petit peu de terrain. Et puis voilà, c'est Stephen Jay Gould qui est un personnage très très important et intéressant avec Niels Elrege, qui a voulu s'en prendre, on va dire, remettre en question ce gradualisme qui ne lui plaisait pas du tout. Alors, notamment, ils sont repartis sur les archives fossiles, hein, puisque beaucoup de ces éléments de réflexion partent d'éléments fossiles, enfin de recherches fossiles. Et en regardant de façon claire ces registres fossiles, il dit, ben non, on ne voit pas du tout un gradualisme, hein. On voit des fois des changements très rapides dans les couches stratigraphiques et puis des changements très lents ou pas de changements pendant longtemps. Et voilà, donc une succession, donc un changement de rythme. Voilà. Gould, c'est important pour ce qu'on dit aujourd'hui parce qu'il a, voilà, il change le rythme et on oppose, enfin, c'était traditionnel d'opposer dans l'évolution les continuistes et donc les discontinuistes. Bon. Alors, en même temps, c'est pas du tout incommensurable, hein. Alors, je vais vous le mettre voilà, de façon un petit peu plus jolie, plus simple. C'est vraiment une question d'allure. C'est vraiment une question d'allure, c'est-à-dire que le fond est le même, la descendance avec modification ne change pas, hein. Gould n'a jamais renié toute une partie de la théorie darwinienne. Il a travaillé sur le rythme, finalement, hein, sur le rythme de l'évolution, avec des changements rapides et puis des stases, ce qu'il appelait enfin, des pauses dans l'évolution. Alors que pour le pattern, alors oui, pattern, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, hein, les objets historiques, les problèmes historiques traitent des patterns de l'évolution, c'est-à-dire les structures, hein, qui existent. C'était marqué dans le tableau, mais je ne l'ai pas noté. Et tout ce qui concerne les mécanismes, dans le milieu évolutionniste, on parle des process. Donc voilà, c'est un peu le jargon des évolutionnistes entre pattern, process, etc. Et donc là, on voit bien la différence, et même sur la forme des traits, là, d'une manière plus synthétique, on va dire, hein, on voit que donc le gradualisme, c'est. Il y a des bifurcations, bien entendu, mais elles sont le résultat d'une évolution lente, hein, sur beaucoup, beaucoup de temps. Tandis que pour les équilibres ponctués, on a des ruptures. On est plus de l'ordre de la rupture avec des traits, avec des angles qui vont vers l'angle droit, sans y aller tout à fait non plus. Voilà, hein, donc ce n'est pas incommensurable.
Alors, les équilibres ponctués, la théorie globale n'est pas, enfin, aujourd'hui, c'est pas une référence absolue, mais disons, c'est un moment qui a permis de réfléchir sur les rythmes de l'évolution. Et d'ailleurs, si on regarde, voilà, dans les années 90, hein, 1900, si on regarde, on s'appuie sur l'évolution des ammonites, parce que les ammonites, c'est formidable, hein, c'est très bien, ça se fossilise très bien, et puis on a beaucoup de terrain à ammonite, et on regarde l'évolution globale entre la formation des premières ammonites et leur disparition à la crise Crétacé-Tertiaire, et on voit bien ce rythme avec des moments, ce qu'on appelle des radiations évolutives, une diversification sur des temps relativement courts, relativement bien entendu, puis ensuite des extinctions, des décimations, alors qui peuvent être dues là pour le coup à des événements géologiques, climatiques, astronomiques aussi, des météorites bien sûr, hein, voilà. Et puis, eh bien, ça repart, voilà. Une fois la crise passée, à nouveau une forme de radiation, alors en fonction de l'environnement. Et bon, les crises qui se succèdent. Et ça, c'est effectivement plus proche de la représentation des équilibres ponctués que du gradualisme darwinien. Donc, ce rythme, hein, avec des discontinuités se retrouve, bien sûr. Alors là, on va changer d'échelle. On va aller à c'est des travaux sur un nombre de familles, hein, dans la taxonomie, hein, des familles en milieu marin qui a été fait par Jablonski et qui montre le nombre de familles, alors toujours sur des archives fossiles, tout ne se fossilise pas, beaucoup de choses quand même, et pour regarder l'allure générale. Donc là, maintenant, si on cherche un rythme de l'évolution, c'est pas forcément là qu'on va le trouver, hein. On voit effectivement que c'est assez hétérogène. Alors on peut dire globalement, il y a une augmentation, mais par moment, ça redescend très fortement. Donc chaque trait qui redescend, c'est ce qu'on appelle des extinctions, qui sont la conséquence de crises et très souvent d'événements géologiques, hein, ou astronomiques. Et on voit tout de suite que derrière, ça repart, ces fameuses radiations évolutives qui, à chaque fois, se sont produites. Je dis à chaque fois parce que quand je pense aujourd'hui, enfin, on emploie le terme de sixième extinction qui est en train d'arriver. Il faut faire très attention parce que notamment sur la temporalité, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Et je montre ça parfois à mes étudiants, hein, pour leur dire attention, si vous montrez ce graphique, parce qu'il est dans les programmes, on peut montrer ça à un moment donné. Et si on dit, ben, on est dans une sixième extinction, un élève un petit peu observateur va nous dire, bah, c'est pas très grave parce que on voit ça repart toujours derrière et ça repart d'autant plus vite que c'est descendu bas, voyez. Donc il faut vraiment, quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui, il faut bien l'inscrire dans sa temporalité, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Voilà, donc ça c'est un rythme sur. Est-ce qu'il y a un rythme là-dedans? Est-ce qu'il y a un tempo? Est-ce qu'il y a une allure? Il y a des événements, il y a des phénomènes, on peut dire qu'une crise comme ça, de façon globale, ce serait un phénomène qui reviennent, mais ça n'a jamais la même intensité, ça ne touche pas forcément, évidemment pas les mêmes espèces. Voilà, donc là, c'est toute la tension qu'il y a entre on veut formaliser, on veut objectiver, mais finalement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est imprévisible. Et c'est Stephen Jay Gould qui le dit. Qui le dit très bien, hein, on est obligé de regarder l'imposant spectacle de l'évolution comme un ensemble d'événements extraordinairement improbables qui auraient pu ne pas se produire, hein, c'est la fameuse contingence, mais qui sont parfaitement logiques, qu'on peut tout à fait expliquer, hein, de manière solide, mais impossible à prédire. C'est-à-dire que l'évolution, c'est prévisible avec ce qu'on vient de dire, hein, on met de la variation, si on fait un bocal avec du vivant et puis. On laisse aller, on sait qu'il va y avoir des mutations, des variations, etc. Mais on ne sait absolument pas prédire précisément ce qui va se passer. Et c'est non reproductible, parce que si je recommence avec un même bocal à côté, je n'aurai pas la même chose. Ça, je vais vous le montrer. Donc, trouver du rythme possible, mais trouver des lois, compliqué. Et Jean Gaillon, donc, qui a beaucoup travaillé, hein, ces aspects-là, parle des évolutionnistes comme étant devenus quand même plus pragmatiques
plus contingentiste, plus attentif à la complexité changeante des circonstances. On pourrait dire un peu moins accroché à leur théorie, donc disons à leur principe. Parce que par exemple, Darwin avait un principe, il disait la nature ne fait pas de sous. Bon, voilà. Et on ne sait pas trop comment il était arrivé à cette conclusion. Alors, on va faire maintenant, on va venir sur le contemporain. Toujours dans l'idée de chercher un rythme, alors je me suis dit peut-être chercher un métronome, un paramètre hein, qui nous donne la pulsation. Alors, on peut tout à fait, et c'est ce qui d'ailleurs ce que font les évolutionnistes fonctionnalistes, on va dire, c'est de s'intéresser donc à ces fameuses mutations. Parce que s'il y a des mutations qui se produisent de façon même imprédictible, mais prévisible, ça veut dire qu'elles ont une fréquence est possible. On peut calculer des fréquences de mutation. Et il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. J'ai pris l'exemple du corps humain, on n'en a absolument pas conscience, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 10 moins 6 en moyenne? Ça veut dire que sur nos gènes, dans une cellule, il y aura un gène va muter au bout d'un million de divisions. Alors, on se dit, ouh, ben on est tranquille, ça ne va pas arriver comme ça. Sauf qu'en réalité, un corps humain, c'est des milliers de milliards de cellules et des milliers de gènes par cellule et un nombre de divisions cellulaires monstrueux également, tout le temps, tous les jours. Hein, on est tout le temps en train, dans votre corps, il y a sans arrêt des dizaines de millions de divisions cellulaires. On fabrique des cellules sanguines en permanence, on fabrique beaucoup, beaucoup de cellules, des cellules de peau, d'intestin, etc. Ce qui fait qu'à la fin, par minute, dans un être humain, il y a 3 à 4 mutations qui s'inscrivent dans le génome. Voilà. Alors, elles sont plus ou moins sympathiques, hein. Heureusement, la plupart vont faire que la cellule mutée ne vivra pas. Donc, ça diminue le risque qu'une de ces mutations ait des conséquences néfastes. Mais c'est pour vous dire que cette impression de permanence d'un corps humain, quand on descend au niveau des cellules, bah, elle disparaît complètement. Alors, ces taux de mutation, c'est des moyennes, voilà, hein, donc, avec des écarts, avec des intervalles qu'on peut calculer à 95%, à 99%, mais qu'on ne peut pas prévoir. Et ces taux de mutation, là, vous avez toute une série d'organismes. Hein, il y a des virus, des bactéries, des champignons, des insectes et puis l'humain. Pour certains caractères, ce n'est pas ce qui est important, mais c'est de voir que bah, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc, OK, un taux de mutation pourrait nous donner un rythme, mais en fait, eh ben, chacun son rythme hein, selon les organismes. Et puis des rythmes, des moyennes, des fréquences, mais qui ne présagent en rien du moment précis. De cette mutation. Là aussi, où il y a beaucoup de mutations et de variations hein, donc, qui peuvent créer de la transformation et donc des changements dans l'évolution, c'est tout simplement dans chaque nouvel individu humain, hein, donc chaque cellule œuf humaine, on sait qu'il y a d'entrée de jeu, on va dire, 60 à 90 mutations spontanées. Il y en a 15 qui vont venir de l'ovocyte, et puis le reste viendra plutôt du spermatozoïde. Bon, ça s'explique parce que pour fabriquer un spermatozoïde, il faut, on va dire, plus de divisions que pour fabriquer un ovocyte, et que l'ovocyte, lui, bon, il est en pause à la naissance d'une petite fille. Les ovocytes sont tous là, ils se remettront en action plus tard. Donc, ce qui fait que le spermatozoïde apporte plus de mutations. Et c'est pareil, ces mutations, alors elles peuvent être totalement neutres, y a pas, voilà. Et puis elles peuvent être délétères ou alors elles peuvent être favorables. Ça c'est encore moins prévisible que le taux de mutation, enfin que l'arrivée précise d'une mutation. Alors, ces taux de mutation, c'est utile. C'est utile parce qu'on en a fait, donc, enfin, Pauling et Zuckerland, en ont fait la théorie de l'horloge moléculaire. Et ça a été un grand engouement parce qu'on s'est dit, ah, on va pouvoir enfin calculer les évolutions, reconstituer dans le passé assez précisément à quel moment s'est passé ceci, cela. Bien. Et l'idée, c'est que
Alors, je ne sais pas. Si, voilà, le stipule que les mutations s'accumulent dans le génome à une vitesse proportionnelle au temps géologique. Et ça, bah c'est un principe, hein, bien sûr. Alors, c'est pas la vitesse proportionnelle, vous voyez bien que c'est une réduction, hein, du réel, bien entendu, c'est normal, c'est la théorie. Mais il y a des exceptions, les deux petits points rouges là, bah, ça colle pas. Par contre, quand ça colle, entre guillemets, quand c'est bien choisi, donc il y a tout un travail d'étalonnage, de calibration qui doit se faire, et on peut, l'intérêt, c'est donc qu'on peut remonter à des moments de divergence sans avoir besoin des fameux fossiles, puisqu'on sait que tout n'a pas été fossilisé. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Mais il faut savoir l'utiliser, quoi. Il faut savoir l'utiliser et il faut savoir tenir compte de l'incertitude qu'elle nous donne. Et dans l'enseignement, le problème, c'est que les élèves, ils sont mis en face d'horloge moléculaire sans le discours autour qui dit que c'est une formalisation et que ça n'enlève pas l'incertitude que moi j'appelle ontologique du vivant, de l'arrivée de ces mutations. Alors, l'horloge moléculaire, elle a ses limites aussi, hein, parce que bon, c'est anecdotique, mais ça va vous permettre de comprendre. L'engouement autour de l'horloge moléculaire a fait penser qu'on pouvait retrouver la date précise des premiers hommes et des premières femmes qui ont donné toute l'humanité actuelle. Voilà. Alors, il y a eu un petit peu le fantasme de ce qu'on appelait l'ève mitochondriale. Vous allez voir de quoi je parle. Alors, comment faire ça? Eh bien, parce que en fait, dans l'ovocyte d'une femme, il y a de l'ADN dans le noyau. Dans le spermatozoïde, il y a de l'ADN dans le noyau. C'est les chromosomes, pas de problème. Mais il y a dans le cytoplasme des cellules ce qu'on appelle des mitochondries. C'est nos centrales d'énergie. Donc, dans les cellules qui respirent, on a des mitochondries. Bien. Et il s'avère, peut-être on ne vous l'a jamais dit, que dans ces mitochondries, il y a aussi de l'ADN. Parce que ces mitochondries sont d'anciennes bactéries qui ont, dans la théorie de l'endosymbiose, hein, qui ont fusionné avec d'autres cellules, ce qui a permis de donner nos cellules à nous, nos cellules animales. Mais cet ADN, il est fonctionnel, effectivement. Et vous voyez bien que dans une cellule œuf, ben, dans le noyau, il y a un mélange des chromosomes, il y a un mélange précis, hein, 23 chromosomes maternels, 23 chromosomes paternels, mais il y a les mitochondries maternelle. Et donc l'ADN mitochondrial et l'ADN maternel. Voilà. Et qui se transmet donc des femmes à leurs descendants. Mais c'est que les femmes qui vont transmettre cet ADN mitochondrial. Un homme ne transmettra pas son ADN mitochondrial. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, du côté des hommes, ben, les hommes, ils se transmettent quoi et qui passe jamais par les femmes? Eh bien, le chromosome Y. Donc, en ayant. Vous voyez, l'idée, c'était que en combinant l'horloge moléculaire de l'ADN mitochondrial et celui du chromosome Y, on pourrait remonter jusqu'à la première femme. Ce n'est pas une première femme, c'est une population. Et le premier homme. Et donc, bille en tête, les calculs commencent. Et on trouve que les premières femmes étaient là il y a 150 000 ans. Et les premiers hommes, il y a 60 000 ans, ce qui pose quand même un petit problème pour faire une humanité. Et bon, voilà, ça c'était au tout début, maintenant tout ça est résolu. Et notamment, alors, parce qu'on passe aussi par d'autres biais, et par notamment les générations, hein, le nombre de générations qui nous séparent des premiers Homo sapiens. Parce que ce temps long, hein, de l'évolution, on a tellement du mal à se le représenter qu'on cherche aussi des moyens d'y arriver. Et passer par les générations, le nombre de générations, c'est intéressant. Et mine de rien, si on pose que, y a une génération chez les humains tous les 25 ans, eh bien, la population initiale qui est à l'origine de toute l'humanité actuelle, il faut remonter à 7 000 générations. Et 7 000 générations, c'est pas inconcevable pour notre cerveau. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais accélérer un petit peu, même si on a commencé un petit peu en retard, donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Donc là, les générations, enfin, c'est marqué sur le bas du diaporama. Hein, donc maintenant, cette première population, elle est datée à 200 000 ans.
Jean-Jacques Hublin, donc la tire jusque presque 300 000 ans. Voilà, c'est encore un petit peu en discussion, mais ça s'est éloigné. Ça s'est éloigné par rapport au début. On parle bien d'Homo sapiens, là. On parle bien d'Homo sapiens. Et donc, pour arriver vers la fin de cet exposé, on va venir sur l'évolution expérimentale qui, malgré tout, nous informe sur l'histoire du vivant et son rythme. Alors, l'évolution expérimentale, hein, c'est relativement récent. C'est l'idée d'observer l'évolution en train de se faire. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire c'est voir comment les variations, les mutations apparaissent, se propagent ou pas, etc. Et pour ça, je vais vous montrer, alors si j'y arrive, hein, je vais sortir du diaporama, je vais vous enlever les sous-titres, je vais vous faire l'explication. Alors, je reviens juste là. Et bien, c'est une boîte de Pétri. Alors, vous avez certainement vu dans votre scolarité des boîtes de Pétri, hein, circulaires. Là, c'est une boîte de Pétri rectangulaire. Qui doit faire 2 mètres sur 4 et qui est séparée en bandes. Voilà. Okay. Et alors, c'est une expérience qui va tester la résistance aux antibiotiques d'une bactérie, Escherichia coli. Et donc là, vous allez avoir dans les bandes, vous allez avoir une concentration de plus en plus forte en antibiotiques jusqu'au centre. Donc la première bande, je vais aller un peu plus vite que ça pour gagner du temps. Voilà, on va s'arrêter là. Là, donc de chaque côté, là où on va mettre les premières bactéries, il n'y a pas d'antibiotiques. Ensuite, il y a une barrière semi-étanche, les bactéries peuvent passer. Et là, il y a une quantité 1 d'antibiotiques. Et de la même chose comme ça des deux côtés. Et au milieu, vous avez 1 000 fois la dose d'antibiotiques de la première bande. Et on va ensemencer des bactéries sur les milieux zéro. Et vous allez voir donc en blanc, hein, c'est le voile bactérien, c'est-à-dire c'est les bactéries qui diffusent, qui se reproduisent, parce qu'une bactérie bien nourrie, toutes les 20 minutes, elle se divise. Donc ça va relativement vite. Alors là, l'expérience, elle est sur quelques minutes, même pas. En réalité, elle est sur 12 jours. Hein. Donc je relance l'affaire. Je vais bien me couper le son, et c'est bien. Voilà. Donc il va y avoir une progression des bactéries vers le centre. Et normalement, s'il y a l'antibiotique, doit les tuer. Donc normalement, elles doivent s'arrêter à la première bande. Donc là, à gauche, vous avez ce premier voile bactérien, hein, qu'on voit. Et puis surtout, vous voyez ces petites flèches-là, ici. Voilà. Eh bien, ça, c'est des bactéries. Alors, je l'explique une fois. C'est des bactéries qui ont muté avant, parce que la mutation précède, hein, bien sûr, qui étaient donc dans la première bande et qui étaient près du contact avec l'antibiotique et qui, par hasard, sont résistantes à l'antibiotique. Donc, elles vont se propager. Et on voit que ça apparaît en plusieurs points. Ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, ça apparaît aussi, mais ce n'est pas les mêmes points. Donc, c'est vraiment l'idée importante dans ce montage, c'est qu'ils l'ont fait des deux côtés. Donc, on peut voir, parce que s'il n'y avait qu'un côté, on pourrait se dire, bon, bah, je refais pareil, je vais retrouver la même chose. C'est globalement la même chose, mais dans le détail, c'est jamais la même chose. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Hein. Alors, c'est accéléré, bien sûr. Hein, tout ça demande quelques jours. Donc, on voit les bactéries. Alors, des souches, des variants. Maintenant, tout le monde connaît ce terme, c'est bien. Hein, des variants qui apparaissent. Et puis, là, on est sur la première bande. Là, ils en sont déjà à la troisième bande, c'est-à-dire où il y a 10 fois la dose. Et on arrive à la quatrième bande où il y a 100 fois la dose, et il y en a encore qui sont là. Et on va arriver jusqu'au milieu. Voilà. Et là, je trouve qu'effectivement, on peut se rendre compte. Alors, est-ce que c'est un rythme? Est-ce que c'est un flux? Moi, je serais plus du côté du flux. Et ensuite, on peut effectivement. Alors, ils retracent, hein, ils font un dépiquage, et puis ils vont analyser. Et on voit les. Comment, par quelle bactérie tout ça a passé, et puis ça s'est diversifié, etc., etc. Et on voit bien que bah, ce n'est pas la même chose des deux côtés.
Et donc ça, c'est ça qui était imprédictible. Ce qui était prévisible, c'est qu'il y en ait au milieu, mais le chemin qu'elles ont pris était, lui, imprévisible. Les mécanismes sont connus, mais la manière dont ils vont s'organiser dans le temps est inconnue. Donc, je vous ai mis le schéma final, hein, de cette expérimentation. Donc, c'est 12 jours, et là, une seconde sur le documentaire, c'est 9 heures, pour vous dire comment ça va quand même vite. Et ça a été fait avec d'autres bactéries, et on voit pareil, le processus, la résistance va se faire, hein, de toute façon, mais ça va être par exemple en 30 générations, ou ça va être en 5 000 à 10 000 générations. Là, sur l'expérimentation, on a plus de 70 000 générations de bactéries qui sont créées en 12 jours. Alors, ces expériences, elles ont été faites aussi. Alors, j'aime bien aussi ce schéma parce que voilà, vous allez pouvoir chercher du rythme là-dedans. C'est des bactéries comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans un milieu nutritif, il y a tout ce qu'il faut. Et bah, on les laisse avancer, se diviser. On les repique de temps en temps, hein, pour pas qu'il y ait de mortalité non plus, parce qu'à un moment donné, c'est délétère. Et à chaque couleur, en fait, chaque couleur est un nouveau variant. Et sur la verticale, vous avez la fréquence, c'est-à-dire la place qu'il va prendre dans le bocal à l'instant T, qui est un temps générationnel, là, pour le coup. Vous voyez, ce temps générationnel, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 générations. Ça a été fait. Donc, c'est un des résultats de 12 populations. Et ces populations, elles continuent. C'est une expérience qui est en cours. C'est-à-dire qu'il y a un suivi comme ça de ces populations bactériennes. Ça s'est arrêté pendant le Covid. Ils ont congelé pendant le Covid. Bon, parce que voilà, c'était compliqué de suivre l'expérimentation. Mais c'est reparti. C'est reparti depuis. Et là, c'est intéressant de voir, voilà, est-ce qu'il y a un rythme, quelque chose qui, ça bouge, ça change, c'est ça qu'on peut dire. Là, c'est moins joli, mais c'est quand même la même idée. Et ça, c'est les variants du SARS-CoV-2, de notre COVID-19, et du variant Delta. Rien que le variant Delta. Parce qu'évidemment, dans l'actualité, on a parlé de quelques variants. Il faut savoir que des mutations sur le virus du Covid, il y en a eu des dizaines de milliers. Hein. C'est parce que c'est des entités, les virus, c'est pas des cellules, attention, mais c'est des entités qui mutent très très vite, notamment par les grands nombres. Et là aussi, voilà, trouver un rythme, on comprend l'allure générale, mais dans le détail, c'est plus compliqué. Et c'est Mircea Sofonea qui a beaucoup écrit là-dessus. Donc pareil, quand on regarde une lettre du génome du virus, va muter en moyenne tous les 300 000 cycles de division. Ça paraît très peu comme ça, mais en réalité, comme il y a plusieurs milliards de particules virales quand on est infecté qui se déploient, à la fin, ça fait des variants malgré tout. Et même, on peut dire que quand on a été, si vous l'avez été, moi je l'ai été une fois, infecté par un variant, ce qu'on a transmis, c'est très certainement des autres variants. C'est-à-dire que en nous, la transformation, la variation, s'est faite par le nombre, par la loi des grands nombres, en fait, tout simplement. Voilà. Alors cette fois, bon, alors on discutera du rythme de tout ça, hein, si ça vous inspire un petit peu. Et puis pour revenir aussi, alors cette fois pour finir sur quelque chose où on va se rapprocher plus du pattern évolutif. On va sortir un peu du côté fonctionnaliste, du côté je vais essayer de formaliser, de calculer, d'objectiver ces variations et ce rythme de ces variations dans l'évolution. Parce qu'il y a quand même ce qui est le plus difficile à penser dans tout ça, c'est le temps profond, des milliards d'années que notre cerveau ne conçoit pas. Et peut-être, alors, petite expérience de pensée, c'est se dire que, notamment, hein, nos cellules viennent pour chacun d'entre nous d'une cellule œuf. Nous avons tous été des cellules œufs. Des fois, c'est une pensée étrange comme ça, mais nous avons tous été des cellules œufs. Et très souvent, on fait commencer
pour certains, la vie là, dans cette cellule œuf. Mais cette cellule œuf, elle n'a pas, la vie n'apparaît pas avec cette cellule œuf. La vie se poursuit tout simplement, puisque l'ovule et le spermatozoïde sont aussi deux cellules très vivantes, hein, qui font une troisième cellule vivante. Et ces ovules et spermatozoïdes viennent d'individus qui ont eux-mêmes été des cellules œufs. Et donc, vous pouvez remonter comme ça, hein, dans votre généalogie, alors humaine d'abord. Et forcément, il y a un chemin. Il y a un chemin cellulaire qui conduit jusqu'à vous, avec ses divisions et ses fécondations. Voilà, c'est les deux processus qui vont faire que de nouveaux individus se forment. Mais la vie, elle n'est pas nouvelle. C'est un flux. C'est un flux, y a des passages, mais ça ne s'arrête jamais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est aujourd'hui convaincu, hein, de l'origine commune des êtres vivants. Et l'origine commune, c'est des premières cellules, il y a 3,8 milliards d'années. Donc ce petit voyage intérieur, hein, rétrodictif, si on le faisait jusqu'au bout, eh bien on arriverait à ces toutes premières cellules, il y a 3,8 milliards d'années, qui, lui, n'est pas issu de cellules préexistantes, l'origine de la vie. Là, le problème biologique, puisque lui, il ne répond pas à la règle, hein, que toute cellule vient d'une cellule préexistante. Donc, c'est un problème en soi. Mais ça n'empêche pas qu'il faut imaginer le déploiement du vivant à partir de ces premières cellules qui ont tenu, entre guillemets. Alors, on ne dit pas aujourd'hui qu'il n'y a eu qu'une fois. Il est même très probable qu'il y a eu plusieurs départs, mais qu'il n'y en a qu'un qui a marché. Voilà. Alors pourquoi on le dit? Parce que toutes les cellules parlent la même langue génétique, ce qu'on appelle ce fameux code génétique, c'est comme une langue, et les cellules comprennent la langue de l'ADN de toutes les autres cellules. Il n'y a pas d'exception, quasi pas. Voilà. Donc ça, et comme le code génétique s'est construit de manière aléatoire, eh ben, il n'aurait pas pu se construire deux fois de la même façon. Donc, s'il n'y a qu'un code génétique, ça veut dire qu'il n'y a qu'une origine commune. Et donc, ça, pour moi, on est vraiment là sur un flux du vivant. On peut dire qu'il y a un flux qui est scandé par des processus, hein, des divisions, des fécondations. Alors, au début, c'était vraiment que des divisions, hein, parce que pendant très, 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 très longtemps, il n'y a eu que des bactéries. Et dans l'eau, hein, parce que la vie terrestre n'était pas possible, enfin, on va dire aérienne n'était pas possible, il n'y avait pas d'oxygène et pas d'ozone, donc pendant très longtemps, il n'y a rien. Et voilà, ce flux de cellules qui s'est développé, qui a tenu, qui n'a pas disparu. Peut-être qu'il y a d'autres points de départ, mais qui n'ont pas tenu. Et bon, ça, c'est un schéma pour moi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu pendant très longtemps que des cellules, et pas forcément en quantité, c'était pas quelque chose d'énorme. Et c'est à partir du moment où il y a eu des pluricellulaires, à partir du moment où il y a eu aussi la respiration et la photosynthèse et la respiration aérobie, ce qui arrive assez tardivement sur Terre, que le déploiement du vivant s'est accéléré. Alors, on peut peut-être, voilà, parler en termes de ralentissement, accélération sur le flux du vivant. Et là, on est, bon, voilà, on peut avancer sur, enfin, on peut envisager sur ce qui va se passer ou pas pour la suite. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de paramètres. Alors, je vais terminer. L'évolution aujourd'hui, c'est plutôt vu comme, ça c'est Francesca Merlin et, je ne sais plus son prénom, Malater, hein, qui réfléchissent sur ça. Eux, ils optent pour le qualificatif de stochastique. Voilà, le flux de l'évolution, hein, c'est stochastique. À partir d'un même ensemble de conditions initiales, permet de prédire non pas un seul et même résultat, mais plusieurs résultats possibles selon une certaine loi de probabilité. Et dans tous ces possibles, il y en a un seul qui va se réaliser. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a un possible qui se réalise, il ouvre à nouveau un champ des possibles. Voilà. Donc, on est sur quelque chose, moi, j'aime bien comme idée. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, en guise de conclusion, bon, là, moi, je suis sortie de mon champ, donc je vais juste vous les présenter comme ça. Je me suis dit, finalement, ce flux, j'étais vraiment au niveau de ces cellules, hein, qui avancent comme ça, à l'aveugle, il faut le dire, mais qui persistent. Il y a quelque chose de l'ordre de la persistance dans tout ça. J'ai pensé, bon, c'est assez classique, mais
J'ai pensé à la musique, mais bon, je ne savais pas trop. Et je suis tombée sur ce texte de Barthes. Enfin, je suis tombée. J'ai écouté ce texte de Barthes. C'est quelqu'un qui le lisait. C'était une émission sur France Culture. Et c'est un texte qui est dans les cahiers musique que Barthes a écrit en 1944, quand il était au sanatorium. Et il parle en fait d'une musique de Bach en particulier. Et c'est un texte que je trouve très beau déjà, pour commencer. Et puis ensuite, je me suis dit, bah, si on change dans la deuxième phrase, par exemple, hein, le propre de la musique, c'est de nous associer à un devenir infini, à un écoulement illimité, par conséquent de dissocier en nous toute tentative de construction, d'immobilisation et donc d'éternité. On pouvait remplacer musique par vivant, ça fonctionne. Enfin, pour moi, ça fonctionne. Voilà, ça résonne. Et la fin aussi de son texte, hein, de la musique, une puissance capable de les lier au devenir des choses, à l'écoulement divin du monde, et un art enfin soucieux de ne pas immobiliser le temps, de le laisser magnifiquement, organiquement, s'y coller, sans qu'il soit en rien figé par un ordre, celui qu'on cherche, hein, dans les sciences fonctionnalistes, beau, voluptueux parce que possédable, mais en définitive par la même meurtrier. Voilà. Donc, première. L'idée du flux résonne bien avec ce texte sur la musique de Barthes. Donc, je le propose à la discussion. Et puis, on avait parlé avec Olivier d'Alain Sabouret. Donc, je suis retournée voir dans mes petites archives une interview d'Alain sur son travail au Conservatoire national de Paris, sur de la musique contemporaine. Il a créé une classe d'improvisation qu'il a appelée pour finir générative. L'improvisation générative. Alors, vous voyez bien, ça peut tout à fait aussi résonner, ce terme, avec les générations de l'évolution. Et avec quelque chose d'important, là, quand je viens de vous dire, c'est qu'il y a des champs des possibles et puis il va se passer quelque chose, un parmi d'autres, à un moment donné, sans toujours une cause véritable. Et donc, cette phrase-là, hein, se retrouve un jour J. Donc, il parle des musiciens qui vont travailler dans cette improvisation générative. Un jour J pour inventer à partir d'un instant T une musique qui sera au mieux que celle du moment, du lieu, des personnes présentes. Finalement, ça peut aussi être une analogie pour ce qui peut se passer dans l'évolution au niveau de nos cellules et aussi de nos gènes. Et il aurait, lui, préféré à la place d'improvisation, invention. Bon, ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Ça invente, c'est créatif. Alors, il y a Bergson, hein, l'évolution créative. J'y ai pensé, bien entendu. Mais là, c'est dans l'invention. Mais c'est une invention, c'est une création aveugle. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis, pour vraiment tout terminer complètement avec les analogies ou en tout cas les liens avec d'autres disciplines. Se trouve que j'ai une grande cousine qui est sémioticienne. Voilà. Et en discutant avec elle des rythmes, je lui ai demandé un petit peu ce que ça racontait dans son chant. Et je suis tombée sur un précis de grammaire tensive. Alors, c'est totalement inconnu pour moi au départ. Donc là aussi, je vous le propose. S'il y a des spécialistes, bienvenue. Alors, c'est très bien écrit, mais c'est assez pointu. Et la question qu'il pose est intéressante, hein. Comment faire état du devenir? Alors, ça, on peut aussi transposer relativement facilement, sans prendre en considération sa vitesse, son tempo. Et le tempo est maître aussi bien de nos pensées que de nos affects, puisqu'il contrôle despotiquement les augmentations et les diminutions constitutives de nos vécus. Voilà, donc pour terminer un peu sur une pirouette comme ça, je me dis peut-être il faudrait écrire la grammaire tensive de l'évolution pour aller plus loin dans cette réflexion. Voilà. Donc je termine sur le schéma actuel du déploiement du vivant tel qu'on le formalise. Et j'aime bien ces boucles et ces sinuosités. C'est pas que de la linéarité, c'est à la fois de l'horizontal, du vertical, du transfert, et avec une origine, alors effectivement, hein, une origine sans doute commune par ici, mais plusieurs origines sans doute avant qui n'ont pas abouti.
Voilà, je vous remercie. J'ai été un petit peu longue, je crois.